éloigné de tout et si proche à la fois, un site patrimonial, un sentier inscrit au monument historique, un espace fréquenté, le département rend accessible le sentier d'Ilette à Guillaume. Propriétaire de la forêt départementale de Manial et financeur des travaux, les agents de la collectivité réceptionnent le chantier mené par l'ONF. Voilà, réellement, on est venu pour réceptionner les travaux du sentier de l'État à Guillaume pour pouvoir faire l'ouverture du sentier au public plus tard. Et là, on est à la fenêtre. La fenêtre, croisement de trois sentiers, sentier du Colorado, sentier de Saint-Bernard, sentier de la Plaine de la Fouche. Et les travaux commencent réellement là. D'accord. Travaux commencés le 22 août 2016 et terminés le 10 novembre 2016. Voilà. 3 mois de travaux ont été nécessaires pour réhabiliter un sentier construit en 1864. Le plus difficile étant de sécuriser les 22 zones considérées à risque. Regarde le plateau avec le vert clair, là, c'est des camphriers là-bas. Et l'Ilette est là-bas. Ensuite, on voit la route de la Plaine de la Fouche, dans la falaise en haut. Ça avance, mais c'est long. Des travaux spéciaux pour sécuriser la zone avant même de commencer à réfléchir à son développement. Voilà l'originalité de ce sentier. La préparation technique en termes de sécurisation par rapport aux chutes de pierre, ça c'est un aspect important. Un autre aspect très spécifique à ce chantier-là, c'est la découverte, la prise en compte et l'essai de protection et de valorisation des murets. Là on rentre dans un volet historique, mais un volet aussi de gros ouvrages d'art sur un sentier, très rare à La Réunion. Cette réouverture au public a été accompagnée d'une démarche scientifique. Géologues, historiens, botanistes et archéologues suivent de près ce site qui raconte une partie de notre histoire. Un enjeu de taille pour le département qui souhaite donner un sens à cette démarche. C'est un projet d'équipe donc, qui a été financé à 75% par les fonds européens et 25% par le département. Et il faut savoir que c'est un investissement qui était, à notre sens, important parce que Ilette à Guillaume est un site remarquable, exceptionnel, et il faut absolument que les Réunionnais le découvrent ainsi que les touristes qui viennent séjourner chez nous. Le marronnage, l'histoire du pénitencier pour enfants, voilà l'originalité de ce site qui intrigue autant. Une histoire compliquée sur une époque difficile où bien des acteurs interviennent. C'est bien sûr une grosse étude documentaire sur l'ensemble de l'Ilette avec une prospection pédestre sur l'ensemble de la zone pour pouvoir repérer les vestiges et les repérer topographiquement. Ensuite, faire une véritable analyse du bâti pour pouvoir documenter ces vestiges. Complété avec des sondages au sol pour pouvoir avoir une stratigraphie complète sur l'ensemble de l'Ilette et voir si on a des occupations antérieures à cette occupation 19e. On sait que potentiellement le site a été occupé dès le 17e siècle puisqu'on parle de site de marronnage, donc c'est important de vérifier par des sondages au sol, d'avoir une vraie lecture stratigraphique. Peut-être une réserve d'eau avec une arrivée d'eau qui est arrivée d'en haut. Et peut-être, mais ce ne sont que des hypothèses. On peut potentiellement faire des erreurs si on connaît mal. Il faut connaître où sont les vestiges, à quoi ils servaient, quelles étaient leurs fonctions, quel est leur état de conservation, pour bien déterminer les bonnes mesures à prendre. Pour bien les protéger et aussi bien les valoriser. On a vu sur le sentier qu'en défrichant, on dégageait comme ça des murs de pierres sèches magnifiques. Ça sera peut-être aussi le cas demain, sur l'Ilette à Guillaume, on va dégager les vestiges pour mieux les contempler aussi. Au fil des jours, on pouvait sentir une certaine excitation dans les discours. Que va-t-on faire de ce site ? Comment concilier les différents usages dans cet espace naturel voisin de l'urbanisation?
Une certitude, l'ouverture de ce sentier permettra maintenant à toutes les forces en présence de donner leur avis.